Ça y est, princesse, princesse, t'as 30 ans, genre, t'es pas une princesse, t'es une michto. Venant de Polska, elle connaît le sujet. Je pense qu'elle sait reconnaître une collègue quand elle en voit une. Polska, qui est la chroniqueuse la plus lucide de cette émission. Mais ça prouve bien le niveau de merde des autres chroniqueurs. C'est une avocate bac plus 66 qui se fait terminer par Polska qui vendait son corps sur OnlyFans. Le multiverse, il est sérieux, les gars. Admettons qu'un homme ne me paye pas l'addition. Je me lèverai dans le restaurant, j'irai en chercher un, j'irai écouter celui avec qui je suis, il veut pas payer, ce qu'il faut payer pour moi. Tu n'as jamais payé une addition d'un homme. Professionnellement, si c'est un dos uniquement professionnel. Jamais, j'ai pas de carte bleue sur moi, j'ai pas de moyen, mais on vient me chercher à mon domicile, on paye et on me ramène. On est sur la plus grosse pince que j'ai vue. Elle, si son frère de 10 piges, il a la dalle, elle est capable de lui dire: t'es un homme, t'as qu'à t'en acheter. Ça se voit, elle mettait son bras pour pas qu'on copie sur elle. Elle a dit: je suis une princesse. Moi, je pense à un autre mot, mais on est loin du château. On est un peu plus dans la forêt. T'as 32 piges, tu crois? T'es dans un Disney. Ressaisis-toi, Sarah. On est sur une avocate qui va être plus connue pour son buzz que pour ses victoires au tribunal. Quand elle arrive devant la juge, elle propose un placement de produit contre une remise de peine. Non, mais en vrai, t'imagines, t'es en train de manger au resto et t'as une meuf qui vient te voir qui te dit: excuse-moi, le clochard avec moi, il veut pas payer. Je peux te dire que vous allez être deux clochards. Vu le culot et l'audace, prépare-toi à faire la vaisselle, ma grande. Sortir sans argent, c'est bête et dangereux. Mais elle nous fait une thèse en mode: c'est grave logique ce qu'elle dit. En tant que gentleman, t'es content de payer en date. Non, elle, elle te met le couteau sous la gorge. C'est la seule meuf, elle vient en date sans sa CB, mais avec un opinel. C'est quoi? C'est un date ou un racket? Et quand tu l'écoutes bien, elle a aucun critère physique ou mental. Après, il y a un critère d'âge, moi, c'est plutôt 50, enfin, plutôt plus âgé, même milieu social. Et quelqu'un qui travaille. Et qui... Là, c'est parce qu'il y a des caméras. Hein. Sans les caméras, elle aurait dit les termes. Un mec avec des couilles en or. Juste déjà, t'entends les critères, t'as tout compris. Et vu que les golemons de ce pays ont décidé de se rassembler comme les Avengers, c'est l'avocate de qui? Magali Berda. Commence pas, t'as trouvé tout seul, j'ai rien dit. C'est fort! À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, elle veut montrer qu'elle est plus détestable que la veille. Elle rate jamais une occasion d'être détestable. C'est un peu la Lionel Messi des casse-couilles. Ça fait des mois que je vois des vidéos passer d'elle, elle a des avis catastrophiques. Son seul but, c'est d'être chiante. En profession libérale, ça ne viendrait pas à l'esprit d'être malade. Parce que même si je suis malade, j'ai rien qui tombe, je suis pas payé. Donc il ne faut surtout pas que je sois malade. Donc même si je trouve que je suis jamais malade. En fait, on est malade parce qu'on est malade parce qu'on veut glander chez soi et avoir la paix qui tombe. Voilà pourquoi on est malade. Parce qu'un rhume, c'est quoi? C'est un rhume, une angine, et on va pas bosser. Mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses? Donc pour elle, si t'as la gastro et que t'as les fesses en feu, comme si tu venais de manger un bucket de chez KFC, tu dois aller au taf. T'iras vomir dans les toilettes, mais en tout cas, tu dois être présent. Donc pour elle, tu choisis d'être malade surtout. Va faire un taf physique avec 42 fièvres, tu vas voir c'est qui les fragiles. H24, elle est dans la provocation, dans la caricature. J'ai l'impression que c'est un personnage de South Park. Elle veut toujours être différente. Si tu lui dis fait grave froid en ce moment, elle est capable de dire t'es pas un homme, il fait chaud. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que t'allumes ta télé, tu fais même plus la différence entre les parodies et les vraies émissions. Quand j'ai vu la vidéo de Malik Bentala, je savais même pas si j'étais vraiment sur CNews. J'ai hésité à zapper. L'imam, il disait des trucs plus pertinents. Sinon que le vrai. Avocate, hein, mais elle a assez de temps pour gratter des sous sur TikTok avec les influenceurs. Ok, mais pour l'instant, ouais, j'ai capté. Merci beaucoup pour la galaxie. Avocate, c'est un job étudiant pour toi. Dis-le que ton rêve, c'est d'être influenceuse. Et puis avec ta mentalité de merde, t'as la gueule de l'emploi. Résultat, à force de te mettre dans des sujets de golemons au lieu d'aller plaider, tu te fais terminer par Polska, une retraitée d'OnlyFans. Quand même, palmarès de Polska. C'est une dinguerie, y'a un mec qui m'a acheté une photo de mes gigapanards pour 20 000 balles. J'avais pensé que quelqu'un paye pour ça. Quand tu te fais terminer par Polska, il faut songer à fermer sa gueule pour une durée indéterminée. Par contre, si elle a vraiment réussi à vendre 20 000 balles une photo de ces panini là qui lui servent de pied, on a le droit de dire que c'est la fin du monde ou c'est trop tôt? Pour que la chaîne continue d'exister, c'est hyper important la mif. Mets un like à la vidéo, follow la chaîne et propage un maximum les vidéos. Et si tu veux continuer à gueulerie sur les réseaux, clique sur les liens en commentaire. C'était Abou Follet. Vamos.